et messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle chasse au trésor qui va se dérouler au large de Madagascar, au large des côtes africaines, dans l'océan Indien, à l'île de la Réunion. C'est ici, ce petit point sur cette planisphère. Vous voyez l'autre point, c'est l'île Maurice. L'île de la Réunion, département français d'outre-mer, l'un des quatre départements français d'outre-mer, découvert par les Portugais au début du XVIe siècle et que l'on a appelé longtemps l'île Bourbon et depuis 1946 département français, mais depuis le début du XIXe siècle, île de la Réunion. Nous jouons donc à la Réunion avec deux candidats luxembourgeois que j'accueille avec joie sur ce plateau. Bonjour, vous allez gagner cette place qui vous est réservée et nous allons tout de suite rejoindre quelque part sur cette île Philippe de Dieuleveux. Philippe ? Oui, bonjour Didier, bonjour à vous tous. Eh bien, l'océan Indien dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas seulement des plages au sable fin, ce n'est pas seulement des cocotiers, c'est aussi ces immenses volcans immergés. Et nous sommes sur les bords du cirque de Mafate, peut-être le cirque le plus sauvage des trois cirques de la Réunion. Nous sommes sur le cirque de Mafate, donc exactement sur le piton de Maïdo. Et ici, de ce piton, eh bien, je peux embrasser tous les plus hauts sommets de l'île. Il y a la Roche Écrite, le Simandef, le Mande de Fourche, le Gros Mande ou encore le Piton des Neiges qui culmine à 3069 mètres. La vue est hallucinante sur ce cratère désolé. Alors laissez-moi vous dire que le courage des habitants de la région des cirques est exemplaire car pour tous leurs déplacements, à chaque fois, ce sont des heures et des heures de marche dans ces lieux escarpés. Pour jouer et pour chasser le trésor, eh bien, aujourd'hui, nous avons Bruno Delattre à la vidéo et Jean-Yves Lemener à la caméra, que Bruno va nous présenter. Si tu veux bien, Bruno, prendre la caméra. Voilà, donc Jean-Yves Lemener. Nous allons retrouver l'hélicoptère. Je vais vous rendre la parole, Didier, en vous précisant. Donc, nous sommes au pic de Maïdo, qui culmine à quelques 2190 mètres. Merci, Philippe. Alors, nous allons vous retrouver dans un instant. J'ajoute qu'effectivement, l'île de la Réunion est une île essentiellement volcanique, avec au sud de l'île le volcan très célèbre de la Fournaise, le Piton de la Fournaise, avec ses langues de lave, vous les avez peut-être vues dans les journaux ou à la télévision, qui descendent vers la mer. C'est un volcan en activité avec des éruptions assez fréquentes. Et puis, alors, tout ce massif où se trouve Philippe, qui est le massif un petit peu au centre de l'île, avec des sommets, avec des grands cirques, avec des pitons qui culminent à plus de 2000, 2500 mètres, plus de 3000 mètres pour le sommet de l'île de la Réunion, qui est ce Piton des Neiges dont nous parlait Philippe de Dieuleveux il y a un instant. Alors, je vous l'ai dit, nous jouons avec deux candidats luxembourgeois aujourd'hui. Je vous les présente un petit peu mieux. Il s'agit de René, au féminin. Bonjour René, toute souriante. Et Pierre Coppès. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'un petit village au nord du Luxembourg. Oui, nous venons d'Esch-sur-Sûre. D'Esch-sur-Sûre. Oui, bien voilà, nous venons de... Très bien. Elsa Manet, bonjour Elsa. Bonjour à tous. Vous savez qu'à la Réunion, on nous appelle les oreilles, sans doute parce que nous avons du mal à entendre le créole. Alors aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles et surtout vos yeux, consultez bien cette documentation. Elle vous aidera beaucoup dans la recherche et dans la solution des énigmes. Bon courage et bonne chasse, et voici les énigmes. Merci Elsa. Je possède maintenant ces trois énigmes, Philippe. Oui, et bien voilà, nous venons de retrouver notre pilote, Claude Caron. Bonjour, et son lama, c'est un lama qui va nous piloter aujourd'hui autour de ces cirques et dans cette île merveilleuse. Jean-Yves, actuellement, on filme l'océan Indien. Nous sommes donc sur les hauteurs et nous avons une vue extraordinaire devant nous, l'océan Indien. C'est fantastique, je dois l'avouer, je suis très heureux. C'est la première fois que je viens sur cette île et je suis très très heureux de chasser le trésor ici. Mais pas trop froid dans cette île. Bien, Claude. Philippe, mais pas trop froid en altitude dans cette île tropicale? Non, c'est vrai que la température n'excède pas les combien. Remarquez, il fait quand même assez chaud. C'est la contradiction de la Réunion. Alors j'ai la première enveloppe, vous avez bien compris, hein, c'est René et Pierre Coppès qui jouent avec nous aujourd'hui. Philippe, et voici cette première énigme, elle vaut 2500 francs français, 17 123 francs luxembourgeois. Attention Philippe, top chronomètre. Voici la première énigme, René, vous la donnez à Pierre et je l'aide. Bronchard retrouva le marron sans sa compagne Eva. Lorsqu'il tenta de le suivre au-delà des cascades, son fusil tomba dans l'abîme. Alors, Bronchard retrouva le marron sans sa compagne Eva. Pierre, vous avez bien lu avec moi l'énigme? Oui. Lorsqu'il tenta de le suivre au-delà des cascades, son fusil tomba dans l'abîme. Philippe, vous avez bien entendu? Oui, sans sa compagne Eva. Alors, Eva, c'est H-E-V-A. Et Bronchard, qui est apparemment un nom propre, c'est B-R-O-N-C-H-A-R-D. Pendant que René et Pierre font une première recherche, je vais
indiquer avec l'hélicoptère l'endroit d'où vous partez, c'est-à-dire le piton Maïdo à 2190 mètres d'altitude au centre de l'île de la Réunion. Alors, Pierre et René, première réflexion. Bon, je pense d'abord qu'il faut chercher dans une région de cascades, puisque il y a là quelqu'un qui a tenté de franchir une cascade. Et puis, il faut savoir qui est ce branchard et sa compagne Eva. D'accord. Alors, donc, branchard, retrouva le marron. Il n'y a pas de marron, il y a la Réunion à ma connaissance. Hein. Oui. Philippe. Oui, je vous écoute. Vous avez vu des marronniers? Je n'en ai pas encore vu, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Peut-être en altitude avec une... Hein, je crois qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de canne à sucre, il y a beaucoup de vanille, il y a même des géraniums, je crois. Que l'on cultive industriellement, mais j'ai jamais vu de marronnier, en tout cas dans les livres. Alors, Branchard retrouva le marron sans sa compagne Eva. René et Pierre sont partis dans les livres et ils recherchent la signification de ces deux noms propres. Branchard et Eva, peut-être René et Pierre, pourriez-vous donner une indication de direction à Philippe? Oui, bon. Vous lui parlez très fort, hein, Philippe. Hein, il est très loin, il y a 15 heures d'avion entre Paris et La Réunion. Nous sommes reliés par satellite et il faut parler bien, bien fort. Où voulez-vous qu'il aille? Je peux aller partout. Partout, c'est formidable. Oui, Philippe, Philippe, vous m'entendez? Oui, oui, Pierre. Bon, pour le moment, on cherche sur la carte une cascade. Je vois bien un lieu qui s'appelle le Branchard. Ça pourrait nous être utile, mais je cherche une cascade, puisqu'il y a... puisqu'on parle d'une cascade. Alors, une cascade sur la carte. Sur la carte, il y en a. Oui, il y en a plus. Est-ce que vous voyez les cascades sur la carte? Il y a la cascade Pisca dans le sud. Ah oui, il y a les trois cascades ici. Ah, les cascades Pisca. Tout en haut de la carte, peut-être le voit-on, la cascade du voile de la mariée. Elle est où l'autre cascade? Non, je ne vois pas d'autres cascades pour le moment. Les trois cascades, je vois aussi entre le. Entre cascade du voile de la mariée et cascade Pisca, je vois les trois cascades. C'est ça, les trois cascades. La cascade Pisca qui est au centre à peu près de la carte, enfin un petit peu au sud. Oui. Alors, ça fait une sorte de diagonale. Est-ce que vous voulez que Philippe se rende dans cette direction puisque vous nous parlez de cascade? Je propose de voler dans la direction des trois cascades, alors on sera tout proche des autres cascades. Si dans la direction des trois cascades. Oui. D'accord. Si on trouve des renseignements. Si on peut prendre la direction des trois cascades. Oui, d'accord, Philippe. Alors, René, qu'avez-vous appris sur Branchard et sur sa compagne Eva? On va regarder ici. Rien du tout. Alors, vous avez beaucoup de documentation. Elsa vous a indiqué qu'il fallait la consulter attentivement et c'est très important. Okay. Tout est dans les livres. Pendant que Philippe, donc, va traverser pratiquement tout ce... Hein, Philippe, vous avez complètement survolé ce massif. Écoutez, dans 3 secondes, nous allons plonger. Voilà, le cirque de Mafate se découvre à nous, surtout à la caméra de Jean-Yves Le Ménère. Voilà, nous sommes maintenant au-dessus du cirque de Mafate. Nous plongeons dedans. Alors, il tenta de le suivre au-delà des cascades. Donc, nous partons vers les cascades. Son fusil tomba dans l'abîme. René, en toute logique, on cherche un fusil. Oui, on est bien d'accord. Alors, je crois qu'il faut maintenant que l'on raisonne sur, que l'on recherche plutôt des informations sur Branchard et Eva, alors que nous avons utilisé 4 minutes 30 secondes. Pierre, des informations sur Branchard et Eva. Pour le moment, je n'ai rien trouvé. Là, j'ai les trois cascades. Voyons un peu s'il y a des informations là. Comme je le disais tout à l'heure, pour vivre ici dans ce cirque, ça ne doit pas être facile. Et Claude Caron, le pilote, me disait que par hélicoptère, on arrive à ravitailler les gens qui vivent ici. On arrive à ravitailler surtout les cantines scolaires, me disait Claude. Et on a vu tout à l'heure un hélicoptère posé dans un petit village qui sont au fond de ce cirque. Et ça ne m'étonne pas qu'il faille des heures et des heures et des heures de marche. Vous avez la chance, Philippe, de survoler tout ça en hélicoptère. Alors, Pierre est dans l'étape de matière, c'est une bonne idée, Pierre. Je crois qu'il faut consulter autant que c'est possible l'étape de matière et les index. Vous avez trouvé quelque chose sur Eva, sur... Et cette histoire de marron aussi, qui est assez particulière ou curieuse, hein, cette énigme. Ça vous fait penser à quoi? Branchard retrouva le marron sans sa compagne, Eva. Pensez à quoi?
René. Nous allons passer sur une crête, mais vraiment comme une latte de rasoir. Il faudrait peut-être voir dans le dictionnaire là ce qui signifie marron. Ça a peut-être une signification qui nous échappe multiple pour le moment. D'accord. Oui. Rien sur mon char Eva. Je vous voyais consulter les index. Non, pour le moment, je ne trouve rien. Sur les trois cascades ou sur les cascades en général, puisque vous vous y rendez. J'ai cascade. La cascade Voix de la Mariée, là, et rien. Oui, Philippe. S'il vous plaît, pendant que Pierre et René cherchent dans les livres, pouvez-vous me répéter les lignes? Alors, je vais vous la relire, hein, pendant que Pierre et René cherchent. Bronchard, c'est un nom propre, visiblement. Hein, retrouva le marron, comme un marron, sans sa compagne Eva, H-E-V-A. Il tenta de le suivre au-delà des cascades. Son fusil tomba dans l'abîme. Alors, je recherche un fusil. On recherche un fusil qui est tombé dans un abîme. Et je recherche le fusil de Bronchard. Écoutez, apparemment, oui. Hein, Bronchard retrouva le marron sans sa compagne Eva lorsqu'il tenta de le suivre au-delà des cascades. C'était un soldat, c'était un chasseur. Aucune idée pour le moment. Nous cherchons dans les livres, Philippe. Oui, je vois ici qu'il y a allez-y, un substantif, donc le marronnage. Pour le moment, je ne peux rien dire de plus précis. Attendez, mais le marronnage, c'est peut-être intéressant. Qu'il s'agit de la chasse des noix. Et nous passons sur un autre cirque maintenant, voilà. Peut-être qu'on trouvera là quelque chose sur ce branche. Ah, la chasse aux... Voilà, nous venons, aux esclaves, nous venons de changer de cirque. Qui habitait cette île. Mmh. Oui, effectivement. Ah, Philippe, on a une information intéressante, là. Alors, je vous écoute. Grâce à Pierre, le marronnage. Allez-y, Pierre, lisez-nous ce que vous avez trouvé, parce qu'il y est question d'esclaves et de chasse. Vous dites chasse aux noirs, vous. Oui, il semble que ce Bronchard soit un chasseur de noix, puisqu'il a un fusil. Donc ici, je trouve le noir est voleur, il est toujours menteur, donc je pense qu'il n'était pas très bien vu par des gens comme Bronchard. Alors, je cherche le nom de Bronchard, peut-être que... Alors, ce qui est intéressant, effectivement, Philippe, c'est que ça s'appelle le marronnage. Hein? Et que nous avons dans l'énigme, Bronchard retrouva le marron. Vous avez Bronchard dans votre livre? Pour le moment, je ne trouve rien. René, est-ce que vous avez sur le marron ou sur Bronchard des informations? Voilà, nous sommes donc Pierre et René. Oui. Pierre et René, nous avons quitté le cirque de Mapaté et nous sommes maintenant dans le cirque de Salazie. Et nous passons maintenant tout près du pic d'Anchin, qui, je pense, culmine d'après la carte à 1352 mètres. Tout à fait, 1352. C'est ça. Voilà. Vous avez perdu un peu d'altitude. Alors, oui, marron glacé, d'accord, marron d'Inde, d'accord. Nous allons vers les trois cascades, hein, vers les trois cascades. Tirer les marrons du feu, d'accord. Ça va être un petit peu à la droite, je crois. Hein. Coup de poing, couleur marron. Trois cascades. Effectivement, c'est ce que c'est. Bon, variété cultivée de la châtaigne. Moi, je suis très intéressé parce que, évidemment, les livres qui sont sur ce pupitre sont en rapport avec l'énigme et l'émission. Il faut chercher dans l'histoire. Hein. Je crois que le marronnage, c'est très intéressant. Il faut chercher, parce que, en tout cas, c'est un... Pierre, le marronnage, c'était la chasse aux noirs, la chasse aux esclaves. Donc, je pense que c'est ça. Hein. On va aux trois cascades, là. Hein. Restons par là-bas. Je vais essayer de les trouver. Je suis donc dans le cirque de Salazie et nous sommes à la recherche des trois cascades. Tout à fait, Philippe. Les trois cascades, hein. C'est le cirque de Salazie, hein, c'est ça. Salazie avec un Z. C'est tout en haut de la carte, si on peut le voir. On va les trouver, hein, ces trois cascades. Voilà, vous êtes donc par ici, Philippe, tout en haut. Ils sont déjà montés très haut, là. Nous sommes montés très haut, effectivement, au cirque de Salazie. Et regardez, Philippe a tout à fait raison, car vous lui avez parlé des trois cascades. Or, il peut prendre en enfilade, Pierre, regardez. Il peut prendre en enfilade toutes les cascades si vous lui demandez de descendre, jusqu'à Pisca. Oui. Alors, voilà, je crois qu'il faut avancer. Il faut avancer sur cette idée du marronnage. Hein. Moi, je trouve ça très intéressant. On est quand même dans une île où les esclaves ont été maltraités. Hein. C'est très connu dans l'histoire. Ça va être une des trois, alors. Rien de nouveau? Non, pour le moment, on cherche toujours. René et Pierre, je pense être à l'endroit des trois cascades. J'en vois une, petite. L'autre doit être sur la droite, elles sont parallèles. Je vais vous aider avec le livre. Il y a un petit oratoire en dessous. On peut faire un petit circulaire. Alors, les cirques Salazie, Malfat, là où on y est en ce moment.
Ah oui, la cascade. Ah oui. L'endroit est désert ici. Désert. Désert, enfin c'est sauvage. Il n'y a pas d'habitation. C'est la vie. Ah oui. Ah oui, attendez, René a trouvé au cirque de Salazy, écoutez, René a trouvé le nom de Bronchard, alors elle va vous en parler, Philippe. Oui, s'il vous plaît. Bronchard, connaissez-la. Oui. Eva, connaissez-la. Lui, avec Eva, une nombreuse. Allez-y, je crois qu'on est dans le oui. Bon. Allez-y, René. Alors ça se passerait à l'endroit où vous avez envoyé Philippe, hein. Mm-hmm. Philippe. Oui. Je vous écoute, avez-vous des renseignements? Je crois que René et Pierre vous ont envoyé au bon endroit dans la mesure où René vient de trouver que le nom de Bronchard et de Eva sont liés à un chapitre d'un livre qui s'appelle La Réunion du battant des lames au sommet des montagnes et où il est question de Bronchard et de Eva. Alors allez-y, René et Philippe, guidez Philippe. René et Pierre, guidez Philippe. Oui, je vous écoute. Oui. Lisez très fort. Dans notre livre se trouve, leur maître avait chargé un chasseur, chef de détachement redoutable, Bronchard, de les retrouver. Retrouver qui, je ne sais pas. Un matin. Retrouver. Alors. Avez-vous. Oui. Un matin, alors Canchin était descendu du Piton. Il se trouve année avec Bronchard, qui le cherchait depuis longtemps. Une seule solution pour le marron. Voilà le marron, une seule solution pour le marron. Le marron, oui. Hein? Se jeter dans l'abîme, et c'est ce qu'il fit. Ah ben écoutez, alors, gardez cette page. Hein. Oui. Pierre, on a, dans ce texte, on a le marron, oui. Il est dans l'énigme. On a Bronchard, il est dans l'énigme. J'ai vu Eva un petit peu en dessous, n'est-ce pas, René? Oui. Eva oui. Est ici. Oui. C'est dans l'énigme. On nous parle d'un abîme, c'est ça, vous avez bien lu? Un abîme, quelque part? Oui, oui. Il est sauté dans l'abîme. Se jeter dans l'abîme, et c'est ce qu'il fit. Oui. Bon. Alors, ça fait quand même beaucoup de choses qui se rapprochent de l'énigme. Est-ce que vous pouvez, Pierre, faire la synthèse pour Philippe et préciser le lieu où nous devons aller? Oui, j'ai encore quelques difficultés à localiser et la place où ça s'est passé là. Il y a l'encaissement de la rivière Dumas, c'est pour épaisse. La rivière Dumas, elle est le nom ici, d'Anchin, hein, qu'on trouve dans les rapports de détachement du 18e, les gens. Pierre, la rivière Dumas, elle est ici. Oui. Mm-hmm. Regardez. René et Pierre. Oui. Essayez d'être assez précis parce que je suis au-dessus des trois cascades, mais je vous promets que le paysage est très sauvage. Je ne pourrai jamais retrouver un fusil sans savoir précisément où je dois aller. Alors. Si vous pouviez faire. Philippe. Oui. Nous allons faire la synthèse de toutes les informations que Pierre et René ont trouvées dans les livres. Je vais la faire pendant qu'ils continuent leur recherche. Philippe. Allez-y, Pierre. Philippe, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Bon. Étant donné qu'il s'agit de la rivière Dumas, je pense qu'on peut seulement aller à la cascade du voile de la Mariée, qui est tout dans le nord. Cascade du voile de la Mariée. Puisque on les va autres se diriger vers la cascade, d'accord. Je puisque les autres cascades ne sont pas sur la rivière Dumas. Très, très juste, très bonne déduction, hein. Alors allez à la cascade du voile de la Mariée, s'il vous plaît. Tout à fait. Très bien, Pierre. Nous quittons donc les trois cascades et nous dirigeons vers la cascade du voile de la Mariée. Oui, donc vers le nord. Vers le nord-est, oui. Vous remontez complètement, vous y êtes, je crois, quasiment, Philippe. Oh, je ne suis pas bien loin, on peut peut-être essayer de remonter la rivière du Dumas. On peut peut-être voler au-dessus de la rivière. Il passe juste devant le... Je pense dans le creux, là, devant le piton, là. Oui, on va suivre la rivière du Mar. Vous nous décrivez un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Voilà, je suis maintenant au-dessus de la rivière, mais malheureusement, elle n'est pas bien, bien importante et relativement asséchée, si je puis dire. Nous allons la remonter jusqu'aux cascades du voile de la Mariée. Elle semble venir donc du centre du cirque de Salazy, derrière nous, là-haut. Allô, Philippe? Elle suit la route, là. Oui. J'ai d'autres renseignements, là. Oui, on parle aussi d'un personnage qui s'appelle Anchin. Il semble que... Anchin. Oui. Ce personnage est habité sur le piton d'Anchin et il est descendu... Celui que nous avons passé tout à l'heure. Oui, il est descendu un jour et puis il a rencontré ce personnage dont il est question dans l'énigme, là, le marron. Précisez, hein.
C'est toujours dans le cirque de Salazier, on est toujours oui, dans on va toujours endroit. À la... maintenant, ce sont bien les cascades du Val de la Mariée, Claude. Je suis maintenant au-dessus des cascades du Voile de la Mariée. Bon. Il y en a plusieurs qui viennent de la montagne, qui descendent et qui s'enfoncent dans cette rivière du Mar. Que dois-je faire maintenant, s'il vous plaît? Pierre. Il y a une place pour atterrir, là. Philippe. Tiens, Jean-Yves, regarde le piton d'Anchin, là. Nous l'avons survolé tout à l'heure. Il est encore au centre du cirque de Salazie, vous en parliez. Il est devant nous au centre du cirque. Et maintenant, je suis au-dessus des cascades des Voiles de la Mariée. Qui descendent des bords du cirque. Bon, Philippe. Oui. Alors, Bonchat retrouva le marron sans s'accompagner, va, on a compris, lorsqu'il tenta de le suivre au-delà des cascades. Je crois que nous y sommes grâce à Pierre et René, puisqu'ils ont déduit que c'était forcément la cascade du Voile de la Mariée, puisque c'était la seule qui était proche de la rivière du Mât dont on nous parle dans les livres. Son fusil tomba dans l'abîme. Donc nous devons trouver un abîme, en toute logique. Oui. Il y a peut-être un pont qui traverse les cascades, là, quelque part. Écoutez, nous sommes actuellement en train de les remonter. Je ne vois pas un pont, vous dites? Oui, peut-être un pont ou quelque chose qui vous aiderait à traverser les cascades. Je ne vois pas de pont. En tous les cas, elles portent bien leur nom puisqu'elles descendent sur une largeur peut-être de 200 mètres. Et on dirait en effet un voile de mariée, la couleur blanche des cascades. Alors attention Pierre et René, il tenta de le suivre. Attendez, dans vous m'avez dit au-delà. Au-delà des cascades. Oui. Au-delà, absolument. Alors, si c'est au-delà des cascades, il faut que je passe par-dessus, au-dessus. Oui, il faut passer par-dessus. Je veux essayer de remonter tout en haut. Mmh. Alors, au-delà, c'est en deçà et au-delà. Enfin, on peut imaginer que c'est au-dessus. Comme ce serait vers le haut. Vers le haut. Oui, il faut peut-être voir vers le haut. Donc là où... On peut essayer de monter le plus haut possible. Mmh. Là où commencent les cascades. Vous en doutez. Elles descendent à pic dans le cirque de Salazie. Elles sont sur le bord du cirque de Salazie. Et là, nous sommes actuellement en train de remonter. Mais c'est carrément en ascenseur, vertical. Bon, peut-être avons-nous des précisions. Est-ce que vous pouvez me répéter encore l'énigme, s'il vous plaît? Oui, je vous répète l'énigme en vous disant ce que nous avons trouvé pendant que Pierre et René replongent dans les livres. Alors, Bonchat, on sait qui c'est maintenant, retrouva le marron. C'est-à-dire, Pierre, le marron. C'est un esclave, je pense. Un esclave, oui. Sans sa compagne Eva, lorsqu'il tenta de le suivre au-delà des cascades, son fusil tomba dans l'abîme. Donc tout ça se passe dans la région de la cascade du Voile de la Mariée, nous y sommes. La rivière du Mât nous a donné une précision géographique très intéressante. Je crois qu'il faut aller plus loin dans la localisation du lieu. Est-ce que tu peux voler sur la droite, là? Nous cherchons un abîme. Oui, eh bien écoutez, je demande au pilote de faire un... Jean-Yves, tu peux filmer? Je demande au pilote de faire un tour sur la droite de l'appareil. Il y a comme un énorme trou qui s'enfonce, oui. On va peut-être passer par la gauche, ce sera plus c'est facile pour toi, Jean-Yves. Comment? Nous sommes au-dessus, mais vraiment, d'un trou énorme. Ah, oui, tout à fait. Allez-y, c'est vraiment, véritablement un abîme. Allô, Philippe? Oui, on vient de je suis maintenant avec l'hélicoptère au-dessus d'un abîme et nous sommes au-delà des cascades. Allez-y, Pierre. Allô, Philippe? Oui, je vous écoute. On vient de localiser sur la carte probablement l'abîme dont il s'agit. Il s'appelle le trou d'enfer. Attendez, je demande au pilote. Nous cherchons le trou d'enfer, c'est ça? Le pilote me dit que nous sommes au-dessus du trou d'enfer. Oui, alors, est-ce qu'on peut descendre? Alors, donc, en toute logique, ce peut être cet abîme, hein? C'est au-delà des cascades, tout à fait. Et le fusil serait tombé ou pas? Oui, son fusil tomba dans la ville, tout à fait. Il est tombé, Philippe. Est-ce qu'on peut descendre? D'accord, nous allons descendre maintenant dans ce trou d'enfer. Mais moi, j'ai marqué sur la carte trou de fer. Oh, je pense que c'est la même chose. Nous avons trou d'enfer. J'espère que c'est la même chose. Oui, oui. Et il y a une cascade de peut-être de centaines de hauteurs qui tombent directement dans une petite mare en bas. Bien. Est-ce que vous êtes posé? Heureusement qu'aujourd'hui nous avons pris un lama parce que pour faire cet exercice, je vous promets qu'il faut de la puissance. Claude a les dents serrées. Oui, je vous écoute. Vous êtes posé? Non, je ne suis toujours pas posé. Il faut descendre prudemment, vous l'imaginez. Bien nous sûr. Sommes maintenant enfermés dans ce trou d'enfer. Bon, les parois se resserrent autour de nous. Maintenant. La cascade, là, énorme, une cascade devant nous, un arc-en-ciel, je ne sais pas si on peut le filmer à la caméra, un arc-en-ciel parallèle à notre descente. Nous sommes
temps de descendre en ascenseur au point le plus bas de ce trou d'enfer. La végétation est assez pauvre, mais d'un vert qui, heureusement aujourd'hui avec le soleil, est vraiment très très beau. Nous sommes comme enfermés dans ce cirque, ce petit cirque à l'intérieur de ce grand cirque. Je vous promets que le paysage est absolument étonnant. Et je ne sais pas comment on pourrait y venir si c'est en hélicoptère. On a bien compris, vous êtes en train de descendre avec l'hélicoptère, c'est ça? Exactement, je descends avec l'hélicoptère, mais nous descendons prudemment, si on peut. On peut se poser. Vous l'avez le trou d'enfer, Pierre? Non. Je cherche toujours, mais j'ai trouvé l'esclave marron et sa compagne Eva. L'esclave marron Enchin, il s'appelait. Hein. Oui. Et sa compagne Eva. Enchin. Là, on ne pouvait pas se poser, hein, Claude. Écoutez, attention au temps tout de même. Je demandais au pilote de nous poser à. Mais je pense que le point le plus bas, ça doit être ici. Si on peut se poser. Philippe? Oui, voilà, maintenant je suis peut-être au point le plus bas de ce trou d'enfer. Oui, alors. Alouette, le lama va pouvoir se poser. Écoutez, Pierre, Philippe. Attendez, je vois un fusil. Je vois un fusil là. Vite, Claude, passe-moi. Je vois un fusil qui est peut-être à 20 mètres de moi. Je descends d'hélicoptère. Voilà, tu es posé. Ça y est, c'est bon? Non, pas encore. Bon, mais j'y vais tout seul. Je viens de descendre. Je me dirige vers le fusil. Attention, ça glisse. Ça glisse énormément. Je vais passer. Voilà, je suis dans l'eau, encore une fois. Attention, préparez votre chronomètre. Attention, stop. Top chronomètre. À 22 minutes 27, vous avez trouvé le fusil, c'est ça, au fond du trou d'enfer? Je viens de voir le fusil posé ici sur la roche. Je suis au fond du trou d'enfer. Je suis au fond du trou d'enfer et j'ai le fusil entre les mains. Bravo. Alors je vous conseille de remonter très vite, Philippe, pendant qu'Elsa va nous donner des explications sur cette histoire d'esclaves, d'esclavage. Oui, de nègres marrons. De nègres marrons. Vous l'avez trouvé dans les livres en partie. Les marrons étaient ces nègres, ces esclaves qui choisissaient la liberté et qui se réfugiaient dans la montagne et qui retrouvaient un état sauvage. Le mot de marron vient du mot baron qui signifie cabri, cochon, sauvage, que l'on trouve dans ces montagnes, que l'on trouvait à l'époque. Alors on comparait ces esclaves redevenus libres à des marrons. C'était donc une allusion à une histoire, moitié légende, moitié fait réel, la très belle histoire d'Enchin, l'esclave du Mozambique Enchin et de sa compagne Eva, qui s'étant sauvés de chez leur maître, ont choisi la liberté et ont vécu très longtemps, pendant quelques 25 ans de bonheur et d'errance, évidemment, dans le cirque de Salazi. Ils ont eu là 10 enfants, pour vous dire qu'ils étaient quand même assez heureux. Et jusqu'au jour, évidemment, où le chasseur de marrons, Bronchard, les a trouvés là. Il a trouvé, tout à fait par hasard, lors d'une de ses battues, le marron Enchin. Et un orage providentiel a fait que son fusil lui a échappé et est tombé. Alors, nous avons imaginé qu'il est tombé dans ce trou d'enfer où l'a récupéré Philippe. Je crois qu'il faut dire un mot quand même de ces chasseurs redoutables, ces chasseurs de marrons. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Enfin, ils partaient à la chasse à l'homme comme on part à la chasse aux merles. Ils avaient bon pied, ils avaient le coup d'œil et le coup de fusil très sûr. Ils partaient dans ces montagnes pour chasser le marron. C'était une chasse tout à fait rentable puisqu'ils touchaient 300 livres par esclave ramené vivant. 150 seulement lorsqu'ils l'abattaient. Alors, pour preuve, ils rapportaient une main coupée accrochée à la cartouchière. Il y en eut de très célèbres. Et si le piton d'Enchin porte le nom de cet esclave, il y a aussi quelque part sur la carte de la Réunion un endroit, un lieu dit Bronchard. Il y eut un autre chasseur, un chasseur de marrons célèbre, qui s'illustra tant et si bien, il s'appelait François Mussard, que Louis XV l'a récompensé en lui remettant un fusil d'honneur. C'est ce qui nous a un petit peu donné l'idée de ce fusil tombé dans l'abîme. Mais nous ne sommes pas là pour glorifier les chasseurs d'hommes et les chasseurs de marrons. Il y eut des esclaves très célèbres qui donnèrent leur nom à pas mal de lieux. Ils avaient des noms superbes d'ailleurs. Gloire donc à Matout le rusé et sa femme Simon Gavol, au vieux Pitret, le roi de l'île, à Dimitil l'insaisissable, à Mafat, le sorcier Madécas, il a donné son nom au cirque Mafat,
À Sakalave, le redoutable, à Simandef, la liberté, et à Diampane, la terreur des Blancs. Ce n'étaient pas des anges non plus. Mais enfin, après cette chasse à l'homme, retournons à la chasse au trésor, si vous voulez bien. Merci Elsa de toutes ces explications sur une fraction de l'histoire, une période de l'histoire qui n'est pas tout à fait à l'honneur de ces chasseurs d'esclaves. Philippe ? Oui, nous venons de reprendre l'hélicoptère, nous allons essayer de remonter, de sortir de ce trou d'enfer. Assez dangereux, en bas j'ai pu glisser, je suis tombé, sans gravité, rassurez-vous. Mais c'est excessivement glissant et nous remontons maintenant. Nous sortons de ce trou d'enfer qui, je vous promets, n'est pas très hospitalier. Très bien. Donc vous avez profité des explications d'Elsa pour sortir du trou, ce qui est une bonne chose. Nous avons gagné un peu de temps. Nous allons pouvoir partir, Philippe, pour la deuxième énigme, oui. La deuxième chasse. Cette énigme vaut 5000 francs, 34 246 francs luxembourgeois. Philippe, nous pouvons partir ? Nous sommes prêts, nous pouvons partir. Alors attention, top chronomètre. Voici cette énigme, la deuxième. Et nous avons 22 minutes, 23 secondes pour la découvrir, mais vous savez qu'il reste la troisième énigme derrière. Alors, un chabouk, C-H-A-B-O-U-C, est enterré au pied d'une souche près de la chapelle, dans la concession reçue pour avoir dénoncé la révolte de Saint-Leu. Alors je relis cette énigme. Un chabouk est enterré au pied d'une souche près de la chapelle, dans la concession reçue pour avoir dénoncé la révolte de Saint-Leu. Philippe ? Oui, chabouk, chapelle, pas de problème. Saint-Leu, pas de problème, mais je vous demanderai de répéter, bien sûr. Alors, chabouk, c'est C-H-A-B-O-U-C. D'accord. Nous ne savons pas ce que c'est pour le moment. Est enterré au pied d'une souche, comme une souche d'arbre, près de la chapelle, dans la concession reçue pour avoir dénoncé la révolte de Saint-Leu. Saint-Leu, Saint, comme Saint-Philippe, et le L-E-U. Et comme Saint-Didier aussi. D'accord. L-E-U. D'accord. Voilà. Alors, Pierre et René, il faut partir très vite sur cette énigme pour essayer dans la documentation de trouver le maximum d'informations. Vous avez des noms propres. Peut-être pouvez-vous vous reporter aux index et aux tables. Pierre, vous avez une idée. Dis donc, je pense que pour la révolte, il s'agit encore d'une révolte des Noirs. Des esclaves, oui, à l'époque, d'accord. Des esclaves, ici je trouve là sur Saint-Lieu qu'il y a les titres de concession sont intéressants à parcourir, mais pour le moment je n'ai pas encore. Saint-Leu, ah, ça existe dans la documentation. Oui. Alors Saint-Leu, mais ça n'existe pas sur la carte, je pense. Saint-Leu, c'est Pierre. Une localité. Écoute, Philippe vous appelle, Pierre et René. Oui, Pierre et René, je suis au nord-est de la carte. Voulez-vous, pendant vos recherches, je me rapproche du centre ou voulez-vous que je reste Philippe, à cet endroit? Philippe, oui. Nous vérifions que Saint-Leu, dont parle Pierre, n'est pas sur la carte. Vous ne l'avez pas non plus? Je cherche sur ma carte si j'ai Saint-Leu. Attendez. A priori, je ne le vois pas. Bon, pas de Saint-Leu sur la carte, donc. Nous ne l'avons pas. Hein. J'ai bien regardé Pierre aussi. Pas de Saint-Leu sur la carte. C'est un village, c'est une ville. C'est quoi Pierre, Saint-Leu? Bon, tous les noms de la région. Philippe? Oui? Ici je trouve le lieu dit Boucan de l'Alleu, est mentionné sur la carte l'île dès la fin du XVIIe siècle, mais je n'ai encore trouvé rien d'autre. Alors, Pierre, si on relit l'énigme, René, un chabouk, peut-être René pourriez-vous chercher ce qu'est un chabouk, hein, est enterré au pied d'une souche. Bon, imaginons que c'est une souche d'arbre, hein. Près de la chapelle, dans la concession reçue pour avoir dénoncé la révolte de Saint-Leu. La révolte de Saint-Leu, peut-être... Ah, Didier, oui, Pierre et René, moi j'ai la chapelle sur ma carte. Vous avez la chapelle? À quel endroit, oui. Philippe? Au sud, près de Sillaos. Ah oui, tout à fait, je vais montrer. Je ne sais pas, ouais. Si ça peut vous être utile. Si on peut, vous pouvez, René, reculer un tout petit peu, on va le voir un peu mieux. Philippe ? Oui, je vous écoute. La chapelle. Vous pouvez peut-être prendre la direction de la chapelle. D'accord, si vous voulez. Pour l'instant, on n'a rien de mieux. On va vers Sillaos, la chapelle. Donc oui. C'est dans un cirque qui s'appelle le cirque de Sillaos. C'est alors donc on va changer de cirque, on va aller dans le troisième cirque de l'île de la Réunion. D'accord. Alors, Pierre et René, je vous
demande d'accélérer un petit peu les recherches parce qu'il vous reste 18 minutes 30 secondes. Hein. Nous en sommes à la deuxième énigme. Nous partons vers le sud. Pierre, je vois que vous avez la chapelle sous les yeux. Il faut vite chercher. Et je pense que René, nous avancerions vite si vous trouviez la signification d'un chabouk et cette histoire de concession qui est tout de même intéressante. Hein, dans la concession reçue pour avoir dénoncé la révolte de Saint-Leu. Oui, vous avez quelque chose ? Allez-y, on vous écoute, René. Oui, en 1810, les Anglais occupent l'île et l'année suivante éclata une révolte des esclaves qui put être réprimée grâce à la déclaration d'un nommé Figaro qui, en récompense, se fit attribuer la liberté, une pension, une concession à Saint-Joseph et la première concession du cirque de Seattle. Ah bon ? Alors, je relisez continue donc... peut-être, Philippe, vous avez bien suivi, relisez-le, René. Oui, je vais vous répéter ça, Philippe. Oui, je vous écoute. Oui. Les Anglais occupent l'île et l'année suivante, une révolte éclata, une révolte des esclaves. Et elle fut réprimée grâce à la déclaration d'un nommé Figaro, qui en récompense fit attribuer la liberté, une pension, une concession à Saint-Joseph et la première concession du cirque de Sillaos. Donc je vais bien vers le cirque de Sillaos. Oui, c'est bien. Nous survolons actuellement un chemin de grande randonnée qui longe le cirque de Saladi vers le cirque de Sillaos. Nous sommes maintenant au niveau des nuages. Les nuages sont arrivés. Nous sommes vraiment juste au niveau des nuages. Non, ça je sais. Alors, une constante du quartier de Saint-Leu fut que le nombre d'esclaves a toujours été de 10 ans, soit supérieur au nombre de Nîmes. En 1806, effectivement, hein, la Réunion a été, enfin, qui s'appelle l'île Bourbon à l'époque, a été occupée par les Anglais une quinzaine d'années, je crois. Donc, en 1806, Saint-Leu, etc., puis le cyclone. Donc, c'est. On va, d'accord. C'est l'histoire de la révolte. Sur le coteau, hein, alors. Complètement. Okay, alors, vous en déduisez voilà. Quoi, René, par rapport à l'énigme? Un chabouk. Vous avez... Philippe. Oui, je vous écoute. Ici, j'ai trouvé quelque chose sur ce Figaro dont on a parlé tout à l'heure, non? Figaro, oui, reçut en récompense de la liberté une pension viagère inscrite au budget de la colonie, ainsi que la première concession de Sillaos, l'île à Corbe. Ça se trouve tout au sud. Ah oui, tout à fait. On le voit sur la carte. Alors, un peu au sud de la chapelle. Il est à Corbe. Il est à Corbe, d'accord, je vois sur... Oh là là. Nous venons, à chaque fois ça me fait peur, nous venons de quitter le cirque de Saladi, nous sommes maintenant au-dessus du cirque de Sillaos, et je vous promets que l'image est assez impressionnante. Alors, Pierre et René, je propose que l'on résume un petit peu tout ce qu'on a trouvé par rapport à l'énigme. Alors, une curiosité, à l'entrée de la chapelle, contre la muraille gauche, coule une petite source d'eau. On me demande d'aller à la corde. Nous abandonnons la chapelle parce qu'au pied d'une touche près de la chapelle. Est-ce que je continue à aller sur la chapelle ou est-ce que je vais directement à Ilée à Corbe? Pierre et René, vous répondent en 3 secondes. On décide. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous décidez? 1, 2, 3, 4. Philippe, en survolant la chapelle, vous trouverez peut-être une chapelle. Bon, alors donc si vous ne voyez rien dans ce genre, vous continuez vers l'Ilée à Corbe. D'accord. Nous allons survoler d'abord le lieu, la chapelle. Je propose, Pierre et René, pour que les téléspectateurs vous suivent bien, et suivent bien vos recherches, qui est très important, que l'on résume. Un chabouk, nous ne savons pas ce que c'est, est enterré au pied d'une souche près de la chapelle, nous ne savons pas exactement où. Dans la concession reçue pour avoir dénoncé la révolte de Saint-Leu, là vous avez complètement trouvé, et je voudrais vous le réexpliquer. Oui, donc la concession dont il s'agit, c'est l'île à Corbe. Et la chapelle se trouve dans la concession, si je vois bien ici le texte. Ça va, donc, y arrive. Il faudrait peut-être aller à Ilée à Corbe plutôt qu'à la chapelle. Par là. Vous décidez, c'est vous qui guidez Philippe. Philippe bon, heureusement, nous avons un pilote qui connaît parfaitement l'île. Je crois qu'il la survole vraiment, je crois, tous les jours, et il la connaît parfaitement. Et il me dit que la chapelle devrait se trouver donc par là. Nous allons pouvoir descendre un petit peu. Oui, je vous écoute. Où vous en êtes, s'il vous plaît? Eh bien, justement, donc, je suis au-dessus de ce qui devrait être la chapelle. Nous descendons un petit peu. Je ne l'ai pas encore vu des yeux. Si tu peux... Où
ça? Devant nous? Donc, cette concession qui était au fond une terre, hein, oui. Donnée à ceux qui le méritaient, ou en tout cas à ceux qui y avaient droit, dans cette concession reçue pour avoir dénoncé la révolte de Saint-Leu, mais ce n'est pas une chapelle. La concession, vous la situez où? Exactement, exactement. Ah, écoutez, écoutez Didier René, oui. Le pilote me dit que le lieu dit la chapelle n'est pas une chapelle, mais un rocher. Et ce serait le rocher qui est devant nous. Donc ce n'est pas une chapelle. Ah oui, d'accord, oui. Donc nous allons où, Pierre et René? Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici ou est-ce que je vais vers Ilet-à-Corde? Alors vous allez à Ilet-à-Corde. D'accord. Continuez. Vous pensez que cette concession, donc ce territoire donné... Oui, le texte est très clair ici. Figaro reçu en récompense de la liberté, ainsi que la première concession de Sillaos, l'Ilet-à-Corde, qui lui appartient. Donc c'est la concession. Oui. D'accord. Voilà lui, Pierre et René. Nous faisons demi-tour au-dessus du lieu La Chapelle, qui n'est pas une chapelle, mais qui est seulement un rocher, que l'on appelle La Chapelle. Attention, et nous allons maintenant vers Ilet-à-Corde. Combien minutes. 12 minutes 29, 12 minutes. C'est le temps qu'il nous reste. Oh là là. Pour trouver le deuxième trésor et j'espère le troisième. Le plus possible, Mme Claude, s'il te plaît. D'accord, nous quittons donc ce lieu, la chapelle, nous allons sur Ilet-à-Corde. Avez-vous, comment dirais-je, la signification de Chabouk? Non, nous la cherchons. Donc, sur la révolte de Saint-Leu, dont on parlait tout à l'heure, vous n'avez rien trouvé de nouveau, René? Vous l'aviez tout à l'heure, la révolte de Saint-Leu. Ilet-à-Corde. Nous sortons maintenant donc de la chapelle et nous allons passer sur Ilet-à-Corde. Nous devrions y être très rapidement car c'est d'accord. Sur ma carte vraiment à proximité. C'est ça? Je crois que ce sont ce qu'on appelle Ilet, ce sont tous les petits villages donc à l'intérieur des cirques. Et nous sommes maintenant au-dessus donc du village Ilet-à-Corde. Bon, vous voulez que je vous pose Pierre? René, Pierre. Oui. Philippe, je suis au-dessus d'Ilet-à-Corde. Vous voyez là une chapelle? Quelque chose dans ce genre. Je ne vois pas de chapelle. Jean-Yves, nous cherchons une chapelle. Bon, le mieux peut-être, c'est que je me pose pour essayer de me renseigner. Est-ce qu'on peut se poser? Il y a des habitants, est-ce qu'on peut se poser? Je pense que ce serait une bonne idée. Oui. Alors, posez-vous, Philippe. Bon, René, vous résumez un petit peu ce que nous cherchons et où nous en sommes par rapport à l'énigme. Hein. Vous pouvez la relire en essayant de faire le résumé de tout ce que l'on a trouvé? Allez-y, j'espère René. J'espère qu'il y a une chapelle. René est très timide, Philippe, vous savez. Oui. Allez-y. Je vous écoute. René, Philippe vous écoute. Si on peut, oui, le plus vite possible. Je vous écoute. Oui. Dites-moi quelque chose. Où est-on maintenant, juste? Alors... Non, René est un petit peu bloqué, là. Allez-y, bon, René. Écoutez, en tous les cas, moi, n'avez que quelques millions de téléspectateurs. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour c'est demander s'il y a une chapelle à Ilet-à-Corde. Allez, je vais vous aider. Donc, un chabouk, Pierre est en train de foncer dans la documentation pour protéger. Ah bah oui, je vais essayer de demander également ce qu'est un chabouk. Est enterré au pied d'une souche près de la chapelle. Oui. Dans la concession reçue, nous avons lu l'histoire. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, il y a une famille ici à proximité du lieu où Claude... Où Claude Caron nous pose, voilà, je suis maintenant à terre, dans l'Ilet-à-Corde, je descends et je vais retrouver cette famille d'accord. Qui est devant moi. Alors, Pierre et René, il faut vous poser des questions précises. Philippe? Oui, René, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux me permettre de vous poser quelques questions? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une chapelle ici à Ilet-à-Corde? Oui, oui, il y a une chapelle. Oui, où est-elle, s'il vous plaît? La chapelle est en dessous, là. Hein. En dessous, loin d'ici? 150 mètres. Est-ce que vous, 150 mètres, est-ce que vous pouvez m'accompagner, me montrer le chemin? Est-ce que je dois aller à la chapelle? Philippe? Oui, René et Pierre, je vous écoute. Ce Philippe. Monsieur me dit qu'il y a une chapelle à 150 mètres. Je vous suis, monsieur, est-ce que j'y vais? Philippe, vous m'entendez? Philippe, je vous écoute, Pierre. Écoutez, Pierre. Vous allez à la chapelle et entre-temps, vous demandez à ce monsieur s'il ne sait pas par hasard ce que c'est qu'un chabouk. Monsieur, savez-vous ce qu'est un chabouk, s'il vous plaît? Comment? Un chabouk. Pas, hein? Vous ne savez pas? Non. Je suis à la recherche d'un trésor et ce serait le chabouk. Mais le chabouk, je ne sais pas. Hein? Vous savez pas?
Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez que je pose à ce monsieur? Alors, si on peut, l'histoire de possible, s'il vous plaît. Que vous nous avez raconté, l'histoire de Figaro, etc. Peut-être est-ce une histoire connue. C'est pratique de courir avec Philippe, que vous avez, écoutez Pierre. Oui. Philippe, oui. Oui, je vous écoute. Vous pouvez peut-être demander à votre interlocuteur s'il connaît le personnage de Figaro. Connaissez, pardon monsieur, encore une question, connaissez-vous le personnage de Figaro, monsieur? S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, connaissez-vous le personnage de Figaro? Non. Non? Vous ne connaissez pas? Bon, et en tous les cas, il n'y a pas d'autres personnes autour de moi, donc je suis toujours dans un petit chemin, un tout petit chemin, et je suis ce monsieur vers la chapelle. Mais dès que j'aurai trouvé d'autres personnes, eh bien, j'essaierai de me renseigner sur le personnage de Figaro. Moi, je confirme, hein, là, dans un autre livre que vous avez trouvé, Pierre. Nous descendons maintenant, tout à fait, hein, en 1806, Saint-Leu comptait, etc. Puis les cyclones et les avalaches amenèrent une première récession, l'année suivante éclata une révolte des esclaves qui peut être réprimée grâce à la déclaration d'un nommé Figaro, on y est toujours. Hein. Oui. Et en récompense, celui qui attribue la liberté, une pension, une concession à Saint-Joseph. Et la première concession... Il y a un clocher, je vois une cloche, c'est ici la chapelle, il faut descendre. Je suis au-dessus, pardon monsieur. Oui, il y a un instituteur. Bon, écoutez, il y a un instituteur, je suis au-dessus de l'école. Je vais essayer de voir l'instituteur pour lui poser quelques questions. Alors, Philippe. Philippe. Oui. Il y a des questions précises. Pierre, allez-y. Il y a un tronc d'arbre dans la région, près de la chapelle. Une souche. 7 minutes. Attendez. 8 secondes. S'il vous plaît, est-ce que votre instituteur peut venir me voir, s'il vous plaît? Où est l'instituteur? Ah, le voilà. Très bien. Merci, monsieur. Vous êtes instituteur de l'école, monsieur? Vous pouvez lui passer le casque, Philippe? Est-ce que je peux me permettre de vous passer ce casque pour parler avec Paris, s'il vous plaît? Voilà, et Pierre va lui poser les questions. Monsieur l'instituteur? Directeur de l'école de Liatacor depuis 7 ans. Bonjour, monsieur. Nous sommes à Paris, nous avons des questions précises à vous poser. Je peux vous parler, monsieur, s'il vous plaît? Écoutez, ne perdons pas de temps. Cet instituteur vous écoute, Pierre. Vous savez ce que c'est qu'un chabouk? Pardon? Vous savez ce que c'est qu'un chabouk? Un chabouk? Oui. Un chabouk, oui, bien sûr, c'est sûr. Ça sert tout simplement ici à fouetter les bœufs, quoi. Pardon? C'est quoi? Si, attendez, s'il y aurait peut-être ici un autre mot à... Un fouet, si vous voulez, Un fouet. Merci bien, monsieur. C'est ça? C'est ça? Vous pourrez passer, Philippe, s'il vous plaît. Alors, attendez, il y a peut-être d'autres questions. Monsieur l'instituteur! Oui, bien sûr. Il faut chercher une souche. Monsieur l'instituteur! Oui, j'écoute. Alors, nous cherchons l'histoire de Figaro. Vous savez, Figaro, qui a été récompensé. Oui. Vous connaissez cette histoire? Vaguement, enfin... Quand même ici, je crois que c'était le premier qui a eu légalement, qui a été le premier propriétaire de Liatacorde. Ah, on y est toujours. Oui, d'accord. Donc c'est bien cette concession. Allez-y, Pierre. Alors la chapelle et la souche. Philippe, vous pouvez me passer, la chapelle, Philippe, s'il vous plaît. La chapelle, hein, je crois qu'il ne faut pas hésiter maintenant. Oui. Monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Philippe, vous reprenez le casque, je pense. Voilà, je viens de reprendre le casque. Merci monsieur, merci infiniment pour tous ces renseignements, je vais le remettre à l'endroit, Philippe, pardon. Vous allez à la chapelle. Oui, Philippe. Excusez-moi, voilà, je viens de récupérer le casque, merci. Philippe. Alors, que dois-je faire maintenant? Vous allez à la chapelle. Je vais à la chapelle, elle est par ici, quelqu'un peut venir avec moi? 4 minutes 48 secondes, il ne faut plus perdre une seconde. C'est pas ça la chapelle alors? Ah, je me suis trompé, oui. Philippe. C'est ici? Oui. Nous cherchons un fouet, c'est ce que nous expliquait l'instituteur. Je cherche un fouet. Vous cherchez... Voilà, Philippe. Je suis dans la chapelle, actuellement. Bon. Nous rentrons. Je suis dans la chapelle. Est-ce que je dois rester dans la chapelle? Non. C'est près de la chapelle. Allez-y, René. Philippe. Guidez-le. Oui, Philippe. Oui. Près de la chapelle, il y a une touche, donc, un tronc d'arbre. Bon, alors, je ressors de la chapelle. Monsieur, s'il vous plaît. Et voilà, je suis ressorti de la chapelle, un tronc d'arbre. Oui. Un gros tronc d'arbre, particulier. Oui, je pense qu'il doit être assez grand. Ah non, une souche, c'est pas un tronc d'arbre, une souche, c'est un... C'est partie du tronc de l'arbre. C'est ce qui reste quand l'arbre a été coupé. Ah bon, non, c'est pas un tronc d'arbre, c'est ce qui reste quand l'arbre est coupé. C'est quoi? Une souche, vous savez, une souche d'arbre. Une souche? Oui. Une souche? Enfin, on imagine que c'est ça, hein. Oui. Et près de la souche est enterré un chabouk. Mais j'ai plusieurs souches.
y a plusieurs souches. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai oublié ma pelle. Est-ce que vous avez des pelles, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait une pelle ou une pioche? S'il vous plaît. Donc nous cherchons un fouet, Philippe. Oui. Écoutez, je suis donc en dehors de la chapelle. Je suis près des... Il y a plusieurs souches. Regardez peut-être s'il y a des traces. Oui, bonne idée. Regardez s'il y a des traces de pas. Des traces où on a creusé pour enterrer le fouet. Regardez si vous voyez les traces de René Denis, le producteur, par exemple. Moi, je ne vois rien, là. Non, je ne vois... Je cherche... Je ne vois pas Philippe, de... Oui. Il y a une souche qui est particulièrement... qui est très près de la chapelle. Oui, une souche près de la chapelle, là, hein, Philippe. Tout près, parce que là, elle voit peut-être à 20 mètres, peut-être de l'autre côté. On peut imaginer que c'est celle qui est le plus près. Oui. Prenez ça. Attendez, il y a une souche. Il y a une souche particulière ici tout près de la chapelle. Est-ce que vous avez une pierre, je cherche, il y a des traces de pas, je ne vois rien. Est-ce que vous avez une pioche, une pelle, quelque chose à me... 2 minutes 27 secondes, 26. Combien? 25 secondes, 2 minutes 25. Bon ben, j'ai oublié ma pelle, l'hélicoptère est trop loin. Est-ce que vous pouvez m'aider? On cherche un fouet, un chabouk. Vous pouvez m'aider à creuser autour de la souche, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je peux me permettre de leur demander. Parce que je n'ai pas de... À qui demandez-vous? Je n'ai pas de pelle. À qui demandez-vous, Philippe? Écoutez, je demande à tous les enfants. Je voudrais ne pas trop les embêter, mais nous sommes tous à chercher maintenant. Mais je voudrais surtout une pelle. Nous grattons autour de cette souche. Et vraiment, je... Ah là là, là 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 là, 1 minute 50, il faut que l'on trouve. Je n'ai pas de pelle. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de... Merci. Voilà, on vient de m'apporter un instrument. Bon, ça doit pas être très profond, Philippe. Je me mets à creuser. Vite. Oui. Vite, Philippe, ça doit être assez grand, un fouet. J'espère que c'est tout près de la souche. Je commence à creuser tout près de la souche. Pourvu que ce soit la bonne, hein. C'est celle qui est le plus proche de la chapelle. Oui. En tous les cas, c'est celle qui est relativement... Attention, stop! Stop, maître! Stop! Bravo, Philippe! Alors, d'abord, je vous remercie tous. On a commencé à creuser avec les mains, mais c'était pas évident. Heureusement, on m'a apporté un ustensile. Et voilà, je viens de creuser autour de la souche, qui est vraiment caractéristique, à côté de la chapelle. Bien. Et voilà, c'est vous qu'il faut applaudir. C'est grâce à notre professeur aussi, où est-il? Philippe? Merci à l'instituteur, en tout cas. Philippe, c'est voilà. C'est un grand merci à tous vos collaborateurs, de notre part. Hein. En tout cas, bravo, voilà. le deuxième trésor est trouvé. C'était donc un fouet enterré au pied d'une souche. Quoi qu'on invente des détecteurs de fouets, on gagnera du temps. Elsa. Près d'une souche, près d'une chapelle. Et là, il pouvait y avoir équivoque, évidemment, oui, puisque la chapelle était aussi ce site naturel superbe, cette sorte de rocher, entaillé d'une faille. Qui était vraiment superbe, évidemment, ça prêtait à confusion. Alors, la bonne chapelle était la chapelle de l'île et à cordes. Malheureusement, René et Pierre ont quand même perdu un petit peu de temps à poser des questions. Cet instituteur était fort sympathique, mais vous aviez l'histoire de Figaro. Il vous suffisait de demander ce que c'était qu'un chabouk. D'ailleurs, monsieur l'instituteur a un petit peu oublié quand même ce que c'était. Effectivement, c'est un fouet qui sert à activer les bœufs, mais il servait surtout à frapper les esclaves. Oui. Alors là, encore une histoire d'esclaves, me direz-vous, vous l'avez trouvée. C'est l'histoire de ce fameux Figaro qui a dénoncé ses semblables lors de la révolte de Saint-Leu, la révolte qui se fomentait dans la ravine de Saint-Leu, assez loin de là. Là, vous n'avez absolument pas été trompé. Donc, cela se passait en 1810. Il faut dire qu'à l'époque, vers cette époque-là, le début du 19e siècle, les esclaves étaient à peu près 10 fois plus nombreux que les maîtres. Donc ça pouvait poser quelques problèmes. On était loin, évidemment, du temps du peuplement qui s'était passé en 1663 avec 2 blancs et 10 esclaves. Ceci dit, le rapport est toujours resté à peu près le même, puisqu'en 1848, lors de l'abolition de l'esclavage, 60 000 esclaves furent libérés. Donc Figaro, ce personnage peut-être pas très sympathique puisqu'il a dénoncé les siens, figure dans les livres d'histoire. Il est à l'honneur aujourd'hui à la chasse au trésor, mais Dieu merci, il n'a aucun lieu dit. Son nom ne figure sur aucune ravine, aucun piton quant à lui. Mais je crois que pour le plaisir, il faut quand même jouer la troisième.
Tout à fait, j'allais vous poser la question, Elsa. Il nous reste 1 minute 19 secondes. Cela vaut toujours la peine d'être tenté. Nous partons pour la troisième chasse. Oui, Philippe. Et, oui. Et pour le plaisir, Jean-Yves, Bruno et moi-même, remontons au pas de course de l'hélicoptère. Mais ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Alors, il nous reste, Philippe, 1 minute oui. 19 secondes pour trouver le troisième trésor. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense du bien. D'accord. Je vais laisser le temps d'aller à l'hélicoptère. Bon, alors, je vais gagner un tout petit peu de temps en rappelant à Pierre et René qu'ils ont gagné pour le moment les deux premiers trésors, deux premières énigmes, c'est-à-dire 51 369 francs luxembourgeois, que cette énigme vaut 20 000 francs, 136 986 francs luxembourgeois, et que nous allons devoir faire démarrer le chronomètre, Philippe. C'est le même, on va devoir dans quelques instants. N'est-ce pas? Ok. Faut pas dire oui, ok à la d'accord. Télévision. On y va? Je vois l'hélicoptère, nous sommes prêts. Bien. Alors attention, on a gagné une minute là, peut-être deux. Attention, top chronomètre. D'accord. Voici la troisième énigme. Je crois qu'on aura juste le temps de la lire. J'ai vu un goni, G-O-N-I, au fond du puits de consommation. Serait-ce un geste de colère du sieur Morenas? Et c'est signé un habitant de la commune de Trois-Bassins. Alors, Pierre et René, avez-vous une idée en quelques secondes pour décrypter cette énigme? J'ai vu un goni au fond du puits de consommation. Serait-ce un geste de colère d'un certain sieur Morenas? Philippe? C'est signé un habitant de la commune de Trois-Bassins. Trois-Bassins figure-t-il ou figure-t-elle cette commune sur notre carte? Non, il n'y a rien. Pas de Trois-Bassins, on regarde bien. Une idée, Pierre? Alors pour l'amour du jeu maintenant, car il nous reste 30 secondes. On va décoller, on va passer au-dessus de l'école pour dire... Pierre. Il faudrait chercher qui est ce monsieur Morena. Et puis c'est que c'est qu'un goni. Goni, René, vous avez une idée? Puis le puits de consommation. Au fond du puits de consommation, ça c'est assez curieux, un puits de consommation, Philippe? Oui, nous passons au-dessus de l'école, je remercie tous ces enfants qui m'ont aidé à chercher le deuxième trésor parce que je crains que le troisième, eh bien ce soit trop tard. Avez-vous une information? Non. Non? Ouais. Ah bah oui, j'ai une information, c'est que le gong vient de retentir. Oh là là. Je crois que de toute façon, c'était pour l'amour du jeu et pour l'amour de l'art, nous n'avions absolument pas le temps. Enfin, en principe, parce que des fois, les trésors sont très près. Alors, je vais me retourner vers Elsa. Que fait-on? Est-ce que Philippe... Eh bien, Philippe va y aller, évidemment, mais oui. On le retrouvera après le générique. Alors, oui. Philippe, je vais vous indiquer la direction. Vous allez franchir le cirque. De l'autre côté du cirque de Mafat, vous voyez sur votre carte la caverne de la glacière. Attendez... Est-ce que vous l'avez vu? Dans le cirque de Mafat. De l'autre côté, vers l'autre côté. À l'extrémité de la carte, extrémité ouest de la carte. Didier l'a trouvé sur la carte du plateau. Ah oui, à l'ouest, d'accord. Oui, caverne de la glacière. Eh bien, vous y rendez. D'accord, j'indique au pilote. Caverne de la glacière. Caverne de la glacière, et nous vous retrouverons après le générique, parce que je pense que c'est trop loin pour que pendant mes explications, vous trouviez le puits de consommation. Et que vous trouviez le trésor qui est le goni. Très bien, Elsa. Oui. Elsa, la caverne de la glacière, je trouverai facilement. Il y a un point précis ou... Il y a un point supérieur que vous trouverez grâce à l'hélicoptère. Ne vous faites pas dropper là. Descendez un petit peu plus bas, à peu près 1,5 km du sommet. Et là, vous trouverez une sorte de carrière à ciel ouvert qui s'appelle le puits de consommation. Et c'est là que vous trouverez le goni que vous trouverez dans une sorte de hotte de Père Noël. Le d'accord, goni est une toile. Le goni est une toile de jute. D'accord. Voilà. D'accord. Bien, écoutez, j'y vais, je vous retrouve après le générique. Au revoir à tous et à bientôt. Bon courage. À tout de suite, Philippe. Le goni, c'est une toile de jute qui servait à quoi? Alors, le goni, tout d'abord... Bon, parlons d'abord de la glacière. Oui. La glacière est une caverne dans laquelle se trouve, comme son nom l'indique, de la glace. On consommait de la glace en ces temps-là. Et on allait la chercher fort loin. On allait chercher donc dans cette caverne de la glacière des blocs de glace qui pesaient à peu près 25 kilos. On n'hésitait pas à faire quelques 20-25 kilomètres jusqu'à la côte pour descendre ces blocs de glace à dos d'homme, encore une fois, toujours une histoire d'esclaves. Ils enveloppaient ces blocs de glace dans des godis, c'est-à-dire des toiles de jute. Ils les portaient soit dans ces sortes de hottes appelées bertelles,
ou recouvertes de tentes, sur des sortes de civières, recouvertes de tentes en paille de vétiver. Alors, cette glacière était très, très demandée. Ce sieur Morenas, qui figurait dans l'énigme, avait demandé la concession de ces glacières pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir envoyer des esclaves chercher ces blocs de glace et en faire bon usage. De la glace naturelle, mais qui servait, à réfrigérer les boissons de ces messieurs et dames, les voyageurs qui abordaient à l'île de la Réunion et qui étaient fort bien reçus puisqu'on leur servait leur boissons glacées. Voilà, je pense que Philippe n'a plus qu'à se rendre à la glacière. On le retrouve après le générique. Après le générique. Mais des figures célèbres à la Réunion, il y en a beaucoup. Vous voyez qui je veux dire. Oui. D'accord. Bien. Nous terminons cette émission, ce jeu. Vous avez gagné deux énigmes, deux trésors, trouvé deux trésors. Je vous remets le jeu de la chasse au trésor. Vous pourrez repartir avec au Luxembourg. Amitié comme chaque fois à nos amis luxembourgeois qui sont des fans hein, de la chasse au trésor. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Jean-Yves.